Voici le processus qui marque le début de l'estampillage des jeux de table au Bénin. L'opération lancée ce mardi 16 mars 2021 est à sa phase pilote et ne prend en compte que 12 agriculteurs du Bénin. Elle est gage d'une sécurité alimentaire pour les consommateurs des jeux de table. Cette opération a pour finalité la construction d'un processus de traçabilité qui permet de garantir à nos populations la consommation des œufs de qualité meilleure. Mais il faudra rappeler que c'est un début d'estampillage des œufs, car l'opération concerne 12 agriculteurs sur plus de 700 producteurs d'œufs de table. Il y aura donc sur le marché des œufs estampillés, mais beaucoup plus d'œufs non estampillés qui sont tous produits au Bénin. Nous invitons donc les consommateurs à accompagner cette phase pilote en attendant la généralisation de cette opération. L'estampillage des œufs est l'une des priorités du projet UNAP Biosécurité. Elle a été rendue possible grâce au soutien de l'Union européenne et AFD. Il faut non seulement contribuer à la sécurité, la santé de nos populations à travers une bonne traçabilité et un contrôle performant de l'autorité régalienne, mais également améliorer la compétitivité au sein de la filière. Le projet UNAP Bénin Biosécurité, pensé par les acteurs eux-mêmes, particulièrement les agriculteurs, soutenu par l'Union européenne et l'AFD à travers le PARACEP, est venu donner le déclic pour une normalisation de la mise en marché des œufs. Il faut y voir un essor de professionnalisation de l'agriculteur telle qu'elle est stipulée dans les documents fondamentaux de l'UNAP Bénin. Je promets, au nom de tous les bénéficiaires, que bon usage sera fait des estampilleuses pour les résultats escomptés dans le respect des codifications consacrées, mais également pour faire des émules et perpétuer l'action de traçabilité. L'autre chose à souligner et qui justifie ma joie, c'est que l'avènement de la traçabilité coïncide avec mon entrée en fonction en qualité de président fraîchement élu de l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin. Tous les acteurs avicoles, en mon nom, adressent leurs sincères remerciements au président de la République et à tout son gouvernement. Ils souhaitent tous que cet acte de haute portée, de traçabilité des œufs vendus aux populations, soit accompagné de la mise à disposition de tous les éleveurs du Bénin, des estampilleuses, afin d'assurer le développement de l'agriculture, l'épanouissement des agriculteurs et la protection de la santé de la population. Les résultats de cette phase pilote permettront aux agriculteurs de s'améliorer et aux partenaires financiers, ainsi qu'au gouvernement du Bénin, de disposer des arguments nécessaires pour étendre l'opération à tous les agriculteurs béninois.